Oui, allô Michael. Voilà à peu près la présentation du bâtiment. Un peu au niveau des douches et cuisine là. J'ai un peu créé un couloir, vu que les portes ne doivent pas donner, tous les portes ne doivent pas donner au salon. C'est ça qui m'a permis de créer un couloir à peu près, un couloir qui va à la cuisine, un couloir qui va au salon. Étant au salon, on ne voit pas l'entrée de la douche. Donc, il faut entrer au couloir avant de le voir. Donc, en ce qui concerne les portes des chambres doivent être à 80, les portes de douche 70, la porte centrale au moins, il y a les canapés, des choses lourdes qui peuvent entrer. Plus quand les portes sont beaucoup ouvertes au salon, ça diminue beaucoup le classement du salon. Parce qu'il y a les canapés, les trucs qu'on peut placer. Voilà à peu près. Il y a les canapés, les trucs qu'on peut placer. Il y a une porte, ça empêche. C'est pour ça que j'ai rapproché un peu la porte aussi, parce que le battant ici va un peu le couvrir. Voici le salon maintenant. Voici le L dont on parlait. Voilà comment je l'ai fait sortir. La porte de ce L est à 80 pas. Elle peut rentrer au marché avec les trucs de lourd. Parce que le cadre de la porte d'abord prend 5-5. Ça diminue. Donc pour finir, ça doit être au moins 75, qui n'est pas petit. Donc le bâtiment, c'est comme ça. Bon, voilà à peu près ici. J'ai créé le couloir que de laisser les portes vision, porte de la chambre, de la cuisine au salon. De la douche au salon. J'ai créé un couloir. Ici, on entre au couloir. On peut mettre un rideau, on peut mettre un truc, on entre au couloir avant d'entrer à la douche. Voilà présentement ça. Et on entre là avant d'aller à la cuisine. C'est secret. Là, sur la porte extérieure de la cuisine doit être important parce que tout le monde fait, voilà l'entrée. Mais en entrant, il ne sait pas qu'on peut sortir par le couloir, entrer au salon. Au salon, ça serait un rideau. Là, ça peut permettre de faire un classement au salon, soit la salle à manger, soit un canapé. On le met. Plus les portes sont beaucoup disponibles, là, ça nuit. Mais voilà à peu près la présentation. Voici la chambre. C'est ça le salon. Comme vous voyez là. Voilà à peu près. La chambre est là. Je veux sortir sa fenêtre un peu en haut. Et ici au salon, je veux sortir une grande fenêtre aussi. À la cuisine, je veux sortir sa fenêtre plutôt ici. Tout ça, l'entrée, Béranger, qui va peut-être aller vers le portail. Autre chambre là, la douche, je veux le sortir un peu en haut. Et pour la réaction de la cuisine, un peu en haut encore. Je veux sortir un petit cadre là, permettant aussi au moins c'est la respiration. Donc voilà à peu près la présentation. Comme je te disais, je veux sortir tout le châssis avant de vous présenter. Peut-être j'ai une bonne idée. S'il y a modifié, vous me le dites à temps. Je pense que l'idée n'est pas bonne parce que c'est une idée au moins collective. De Masayo, lui, il était là. Bon, il m'a laissé. Je lui ai présenté comment il devait le sortir quand je traçais la douche et la cuisine. Actuellement, je devais même continuer, mais le ciel menace. Je préfère arrêter et te présenter avant de continuer pour demain. Donc, pour la seconde phase, j'ai encore peut-être 7 sacs de ciment. Je vais l'utiliser avant d'envoyer le nouvel encore, peut-être pour la seconde phase, le fer. Je le fais le 6 et voir comment on va avancer. Oui, donc voilà présentement comme vous voyez. Ça c'est la façade. Vous voyez entre autres trucs. J'entre encore là. Je reviens peut-être vers le mur de Mopi. Oui, ça c'est la route. Avec vous là. Voilà la borne. La borne est présentement un peu bien ressortie. J'ai libéré. Que les gens ne croient pas qu'on a utilisé la borne. Voilà, c'est ça la borne à peu près. L'intervalle que vous présentez là, ce n'est pas mauvais, mais à la fin là, je vais le fermer vers le côté d'entrée. Personne ne peut circuler là quand même. C'est un peu bien fermé tout ça au niveau du couloir là. Ce n'est pas facile. Mais voici la borne présentement difficile, beaucoup libérée. Et je n'ai pas mal réfléchi. Et ça, ce sont des rails qui donnent à la route. Comme vous voyez là, voilà à peu près comment cela est. La cuisine, l'entrée de la cuisine. On entre là, on sort par ici secrètement. Étant au salon étranger, on ne peut pas connaître qu'il y a une sortie. Là, la douche présentement, là aussi, comme vous le voyez. C'est vraiment, je pense. Bon, Jackson, à vous d'analyser. Et bonne compréhension et bonne nuit.